Zbouli, comment ça va, Tude? Mais ça va. Aujourd'hui, on va parler de deux trucs, de poutrelles et de poutres, ainsi que de road to poutre. Ça va super bien, Ponf. Alors, ouais, super texte. Aujourd'hui, vous êtes plus, et quand je dis vous, c'est pas toi, Ponf, c'est eux, et oui, les subs. Vous êtes plus de 2000 subs. Car dans ma tête, on n'est que 3. Ouais, je sais, je me tape ça au quotidien. À nous soutenir pour nous permettre d'envoyer plus de spob, oui, plus d'énergie, oui, plus de spoudé, bon, allez, plus de skill. Non. Si, si, si. Non, plus non, de non. Skill. Et de façon générale, plus de StarCraft 2, oui, sur les ondes. Et pour ça, on voudrait vous envoyer un gros big up, un gros GG. Pa, pa, pa. Vous vous souvenez de la première Road to Poutre? C'était incroyable. On a travaillé pendant des mois. Vous nous avez suivis pendant des mois. On a atteint le palier des 2500 subs. Voilà, on a réussi à faire aussi une OG sub lead, de couronner bien sûr un escroc, hein, en OGSL, bien sûr, mais aussi de faire pas mal de projets comme le bon groupe Ra, hein, bien sûr, hashtag Marcel Lord, et puis de réaliser une viewing party quand même. Tout à fait. Maintenant, entre temps, il y a eu quelques desubs. On comprend très bien, il y a des desubs tous les jours, à chaque seconde, un peu moins de hype sur les événements, mais on vous en veut pas du tout parce que on a tout prévu pour que vous soyez de nouveau hypé par ce magnifique jeu qui est StarCraft 2. Voilà, le dernier palier semblait un petit peu loin, donc on s'est dit que voilà, pour ne pas léser les subs, les nouveaux subs et les anciens, on va refaire un petit lifting, hein, comme une belle petite moustache, hein, mon cher Coca. Bien sûr, une très belle moustache. Et il faut d'ailleurs bien se rappeler qu'aucun avantage des subs n'est perdu. Vous gardez le source, vous gardez le chat en free, vous gardez les émoticônes et l'instant replay qui est toujours disponible pour les subs, donc là-dessus, pas de changement. Si les avantages pour les subs ne changent pas, ce n'est pas le cas des paliers qui, eux, vont être grandement modifiés. Et à l'instar d'un Coréen qui s'entraîne 16 heures par jour pour être le meilleur, chaque palier va envoyer plus de swag, plus de love. Oh oui, mon bon Imré. Et figure-toi qu'il s'est passé quelque chose, toi, petit viewer, toi, petit subscriber, qui a tout foutu en l'air. On avait prévu un premier palier à 2000, sauf que vous êtes déjà remonté à 2000. Et du coup, le premier palier est déjà garanti. Un marathon pour se mettre double, voire se mettre septuple, comme le nombre de jours qu'il pourrait durer si vous nous envoyez du love durant ce fameux marathon de StarCraft 2 et de sueur. À 2200 subs, on relance l'OG Sub League pour une deuxième édition qui en appellera d'autres le maître fromager Kipsel. Et Kipsel surtout pourra remettre son titre en jeu. Tout à fait, Tude. Et après le marathon et l'OG Sub League, quoi de mieux pour se désaltérer qu'un petit bar OG des familles? Et on pourra y constater à quel point, eh bien, on est tous très mauvais au beer pong. Moi, je suis fort au beer pong. Ferme-la. Donc 2600 subscribers, la nouvelle étape. Vous voulez savoir ce qui va s'y passer? Eh bien, je vais vous le dire, personnellement, c'est une de celles qui me plaît le plus. Le vous plus. Connaissiez les dessous de Palm Beach, vous allez avoir les dessous de O-Gaming StarCraft 2. Et oui, qui n'a jamais voulu savoir combien il y avait de poils sur le torse de Ponf, combien de paix lâche Coca durant une émission StarCraft 2, un documentaire inédit juste pour vous sur les dessous de StarCraft 2. Et pour les paliers suivants, à 2800 et à 3000, tel un Pokéstop dans Pokémon Go, c'est quand vous en approcherez qu'on vous dira qu'est-ce qui sera produit. En tout cas, moi je vous le dis tout de suite, ça sera hype. Incroyable. Hype, dingue, hype, une folie. Hype, hype. T'es pas prêt, pote. Hype. Wallé! Take it easy, dude. China, China number one. China, China number one. Take it easy, dude.